Et bonsoir Twitch, comment ça biche? Et merci à Greenleaf qui est devenu Globisub et que je n'ai absolument pas vu. Et attends, t'es devenu Globisub mais t'as... What? Non, c'est bizarre. Bref, merci à toi. Et tu as le choix entre eh bien, un raté d'1m50 ou bien un presque vu d'1m50. Tu choisis. C'est n'importe quoi le cadrage, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai peut-être grandi. Ça doit être ça. Et je vais mettre le vrai chat, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le vrai chat. Et hop. Tac. Tac. Et voilà, incroyable. Comment ça biche? J'avais pas le chat jusqu'à maintenant. Je suis un peu crevé, pour être franc, je suis en calage normal. Ce qui est très bizarre pour moi. Ah mais putain, vous avez pas du tout les mêmes couleurs que moi ou... Ouais si, c'est juste que l'écran de droite est beaucoup plus wouh que l'écran de gauche. Alors, I prefer earbuds, je ne sais pas. Salut Katsuiza. Il y a Fromage Moldave qui trouve que Prince of Persia c'est mieux que Undertale. Ça vaut un ban def à mon avis. Bref, tu connais Nello. effectivement, Fromage Moldave, c'est très bizarre de dire ça. Mais si tu penses que 14 mans, nous pouvons le ban def. C'est légal. En Moldavie. Du coup. Bon, les gens, ouais, du coup, je fais un rythme normal. Techniquement, là, je suis KO. Et j'ai presque envie de me coucher, vous voyez. C'est ça, la tristesse. Dans le doute, on banne tout le monde. Bonne idée, hein. Oui, non, Noctarius, on va pas parler de ça, c'est... Eh oui, des gens meurent. Incroyable. Trahison fistule et mécréant. C'est... Oui. Effectivement. Du coup, ouais, le week-end dernier, on était en tournage à Genève. On est rentré lundi. Enfin, on a enchaîné tournage et rentrage, comme on fait d'habitude. Hein. Sauf que du coup, mardi, j'ai donné mon premier cours. Et surtout, j'ai rattrapé mes nuits parce que je n'ai quasiment pas dormi du week-end. Ce qui était très agréable. Et du coup... Aujourd'hui, j'ai aussi donné cours et je devais aller à l'assurance, machin, un truc chiant. Donc voilà. Oui, mes cheveux sont plus soyeux que jamais. Et effectivement. Ils sont tout juste propres, c'est pour ça. Et c'était une sacrée journée de merde. Et du coup, demain, ça va. J'ai pas, j'ai juste du temps, à, enfin des trucs à rattraper, mais c'est pas très compliqué. Et en plus de ça, après, vendredi, je reprends les cours le matin à 8h30. À 9h? 9h? Ouais, j'ai cours à 9h. Je donne les cours, hein, je les prends pas, je sais pas si c'est quand même... Personne ne me donne cours. Je n'ai pas le droit. Sinon, j'ai reçu des trucs cool, mais je peux rien vous montrer, parce que c'est spoil. Ça aussi, c'est cool. c'est super frustrant de bosser sur deux projets où je ne peux quasiment rien montrer, en fait. Parce que si je vous montre un truc, ça vous nique la moitié des scènes. Donc, bah, imaginez que c'est cool. Et vous, qu'avez-vous fait de votre week-end et votre début de semaine? Dites-moi.
Je vous lis. Comme quelqu'un qui sait lire. Et je sais vraiment lire, ça c'est garanti par contre. Tout à fait, Olvs TV. Salut Benel. Mais t'es taré! Merci bon, voilà. Benel76 qui devient Clubby Sub. Oh, lui, c'est un vrai Twitch Prime Sub. Tu as le droit du coup à un honneur d'un mètre cinquante ou bien un. Alors, Benel, à quoi ça me fait penser? Un soldat 76, voilà, d'un mètre cinquante. Tu choisis. Waouh! Dément! Et Clex, tu resub. Je fête mes 3 mois d'abonnement aujourd'hui, c'est Twitch qui me dit de le dire. Eh ben c'est très bien. Merci à toi. Et tu as du coup le nouveau badge qui est cool. Enfin, le nouveau. Celui des 3 mois, quoi. Moi, j'ai rejoint les rebelles. D'accord. J'ai attendu le prochain live et ça tombe quand je dois dormir. T'as attendu quel prochain live? Salut Torkelson68. Ça parle de quoi? Eh bien, ça parlait du fait que j'étais fatigué. Plutôt cool, hein. L'honneur est bien, mais le soldat d'1m50 est cool, donc je prends. Bah, on a une bonne idée. Tout à l'heure, je crois que j'ai bu de travers, je sais pas quoi, ça m'a fait super mal à la poitrine et je suis tombé dans les pommes. Je me suis défoncé en tombant. Mais ouais. T'es taré! Très mauvais idée, c'est impressionnant. Merci, Elves TV. Tu as le droit à une télévision d'1m50, mais cathodique, ou bien. Un écran plasma d'1,5 cm. Ce qui n'est pas top. On va pas se mentir. Putain, tu rates le meilleur live du monde, Sportskiller. Salut Vince. Du coup, si vous voulez, on peut jouer à un jeu nul, hein. Genre, je sais pas. Là, j'ai plein de jeux qui sont bien en plus, c'est bête. Est-ce que j'ai un jeu nul? Je crois que non, hein. Je crois que j'ai que des jeux bien récemment. Je suis désolé. Putain, je viens de revoir True Fear for a Second Soul. J'avais complètement oublié que ce jeu existait. Soit dit en passant, la démo est sortie le 11... Ouais, d'accord. En novembre. Ouais, il est pas souvent au tournage, Clex. Il a été à 2 tournages. Peut-être 3. Non, il a été au Marais, il a été à Prague. Bon, après, à Prague, c'était long. Mais il est pas là à chaque tournage. Il y a que Eric et moi qui sont là à chaque tournage. Et encore, Eric sera pas là à tous les tournages. C'est vrai. Où est Jax? Salut Abounoa. Un jeu de pêche. Alors j'en ai un, mais ça me dit pas du tout. Ah, c'est cool Alexis. Tout à fait, The Tibetan Fox. T'as pas un petit jeu que tu peux faire avec tes viewers? C'est pas que je t'aime pas, mais vu que je ne sais pas trop ce qui se passe, je me fais un peu chier. Ah, Tarkelson, un jeu avec les joueurs, avec les viewers. Ah, mais si, il y avait un vrai jeu que je devais faire un jeu. Attendez, on va mettre jeu Twitch et je suis sûr qu'on va trouver c'est quoi. Jeu chat Twitch. Voilà. Ce jeu fonctionne avec un jeu. Mais d'accord. C'est quoi jeu? On regarde les lives de quelqu'un d'autre. Ouais, bon, le mec, il a 45 vues, donc ça va, on peut... Ah oui, c'est ce jeu-là. Et c'est machin room. Putain, il n'y a pas le nom. Ah, oh, mec, il a la double interface, c'est dégueulasse. Putain, il a pas mis, c'était quoi? Attendez, je vais... C'est Choice Chamber. Mais je crois pas que je... Je sais pas si je l'ai. Si j'ai Choice Chamber... Merde, putain. Si j'ai... Là, je l'ai pas. Attendez, je vais essayer de voir si je peux me le fournir sur un site internet. Putain, je ne sais plus taper. Choice Chamber. Choice Chamber, voilà. Je sais pas s'il est bien par contre. Hein.
Tac. Il est bien Choice Chamber ou pas? Il a pas l'air ouf, hein. Alors non, Kazma, j'ai toujours pas fait. Voilà. Alors, moi aussi, j'étais pas nickel la Pfeiff, c'est vrai. Ça va, il est pas trop mal. Il a de bons retours en tout cas. Écoutez, c'est le seul jeu que je connais où il y a des interactions avec le chat. Vous n'allez pas me faire chier. On va être clair. Voilà. Ah non, mais évidemment que le jeu est très basique si on retire le. Mais ça me semble évident. Ah, attendez, hein, j'achète le jeu. Si j'y arrive. C'est vrai que Cluster Truck aussi. Vous préférez quoi? On va d'abord faire ce chamber. Putain, mais hey mec, c'est incroyable, on peut pas acheter un jeu sur ce site. Buy now. Non, mais évidemment qu'on s'en lasse vite, mais on va pas y jouer 15 heures. On va jouer genre 10 minutes. Vous inquiétez pas. Tac, ça va pas prendre longtemps. Ça doit être ça, Clex. Hop. Ah bah cool, j'avais de la thune à dépenser sur ce site. Et oui, Psychotaku. Hop. Tac. Putain, c'est long. Ça se connecte à PayPal. Je vous fais un super live achat de jeu, je sais, c'est pas mal. Ah, Léon Tardis. Putain, dire que j'ai encore envie de dire Léon Tardis, quoi. En même temps, tu t'avoueras que ça ressemble vachement. End of Fate 2, on l'a fait. Et oui, effectivement, il y a des trucs en rapport, mais c'est pas non plus ouf, hein. C'est bon. Hop. Et voilà. Le jeu va être maintenant ajouté à Steam. Tac. Boom. Choice Chamber. Voilà. Installé. Oh, 78 mégas, les gens. Je ne sais pas si j'ai l'espace disque nécessaire pour ça. Ah, Noctarius, t'as dépensé les 1000 euros nécessaires pour pas te faire défoncer par ceux qui ont l'édition de luxe. Tac. Et voilà. Impec. Ça enferme. Choice Chamber. Peut-être parce que tu es Docteur Who et que tu ne le sais pas. Tac. Je suis sûr que le jeu va me demander des trucs que je ne peux pas diffuser. Choice Chamber, voilà, c'est changé. Tac. Et voilà, on a trouvé un jeu. Attention pour le son, hein, je ne contrôle pas le son. Oh merde. D'accord, attendez, faut que je mette un chatbot. Je vais faire de la grosse merde.
pouvez faire ça pour avoir le résumé, vous voyez. Sympa, hein. Le son, c'est pas trop fort. Donc le vote des subs vaut plus 1. Les subs ont des trucs, on inclut les resubs, les modes que vous pouvez. Ok. IRS. Voilà, le son un peu plus bas, on va mettre en full screen. Vous pouvez dire hi, hey, sup, yo, hola, hey, greeting, salutations, allo, howdy, des trucs comme ça, je crois. Alors attendez, ça va arriver. Je cherche le jeu. Voilà. Voilà. Ça semble aller. Donc je suppose que je peux jouer à la manette, tout va bien. Vous pouvez dire bonjour. Hein. Oh là, voilà. Vous voyez, ça s'affiche. Vous voyez ? Incroyable. Mais oui, mais c'est beau ça. Donc on va jouer. Ah d'accord, il me faut une arme. Donc vous devez choisir, hein, vite fait. Ah d'accord, il faut que je fasse rebondir. Pas ce que je dois faire. C'est bien parce que ça pourrit pas du tout le chat. C'est injouable ce truc. J'ai une épée. Ah bravo. Donc c'était égalité. Hein. Ok, c'est parti. Aussi la loi, d'accord. What fuck. Ah les contrôles sont abominables. Hein. Est-ce que le son ça va? Je vais baisser le son encore. Hein. Et je vais baisser le temps de sondage, on va mettre 30 secondes, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors vous pouvez améliorer mon saut. Donc choisir pogo, ailleurs ou double saut. Et le... Alors vous pouvez améliorer mon épée aussi. Ah fuck! Voyez, vous pouvez améliorer son, sa force, sa vitesse ou ses critiques. Les contrôles sont plutôt abominables. Hein. Soyons honnêtes. Je sais pas ce que j'ai gagné. Ah, j'ai pogo jump. Ah, mais c'est super chiant. D'accord, donc je saute continuellement. Ah putain, il y a un room capitaine qui va être voté. Putain, il y a tellement de votes à faire. D'accord, donc... Je vais plus vite. Mais c'est une horreur, les gens.
Midas? Ah, je transforme tout en or. Trop cool. Ricky Mortem et non. Et maintenant le capitaine. Putain de merde. Et Husky Enemy. Putain, j'ai pas vu ce qui était marqué. What? Ah d'accord, il faut construire un pont. Putain mais... What the fuck quoi. Mais allez tous construisez des ponts. Petit, Shol... Putain, vous êtes des connards. Ah. Putain mais avec le jump automatique, c'est une horreur. Merci beaucoup. Laser. Ça devient n'importe quoi les gens, il y a trop de votes. Waouh, c'est beau. Vous avez voté n'importe quoi. Ah oui! Si j'arrête de maintenir. Si je maintiens le jump, j'arrête de sauter. Merci beaucoup. Je sais pas qui a dit ça. C'est Benel, merci. J'ai pas vu c'était quoi que j'ai gagné. Mais cet ennemi est gigantesque. Putain, les lasers, c'est joli, hein. C'est un peu le jeu du cancer quand même, hein, il faut le reconnaître. Et Kemorten est... Maintenant les... D'accord, donc les pièces sont plus petites. Ah, voilà. On peut voter pour quelque chose. Lucky, pure... Ah mais d'accord. Donc moi je ne vote pas en fait, c'est vous qui votez. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que j'aurais pu voter. Votez pour Slot. Soyez pas con. Ouais! J'ai un slot en plus, merci les gens. Fire mode. D'accord. Wow! What? Ah merde, je suis mort! Mais c'est vrai que depuis le début du jeu, ils font pas leur animation d'attaque. Donc j'ai pris l'habitude de pas voir d'animation d'attaque en fait. Mais il y en a. Ah ça c'était une mort bien débile. Ah non, j'ai tué, été tué. Vous pouvez dire GG, hein. Dites GG, no, what, so close. Je sais pas quoi. Rect. Merci beaucoup, rip. Rect, rect. D'accord, donc c'est ça, Choice Chamber. C'est sympa, ouais. Race... Ouais, d'accord. Ah oui, c'est bien à deux, quoi. Mais je vais forcément gagner, en fait. C'est un peu nul, en fait. Ah, quoi que je peux perdre, hein. D'accord. On peut pas... Oh, merde. On peut pas quitter? Si, on peut quitter. Comment on fait pour quitter? Ah, faut cliquer. Ouais, ouais, ouais. Et donc, vous trouvez ça bien?
Et il y a des gens qui ont fait plus de 4 à ça. Oui, je suis sûr que oui, mais... Et des gens humains, j'entends. Parce que c'est impossible. Genre, t'es obligé de sauter en même temps, mais c'est pas stable du tout. On va bien voir, hein. Un arc? Vous m'avez donné un arc? Ouais, bon, allez, admettons, va. Ah, mais je peux tirer que en biais. Putain, c'est de la merde. Ben, je trouve pas ça super marrant. Hein. Enfin, le jeu est hyper répétitif, quoi, et pas bien fait. Tu vois, le jeu, il aurait été bien fait, franchement, je dis pas, mais là, c'est pas... Après, je comprends, hein, c'est rigolo pour le chat et tout. Je suis premier à reconnaître. Hein. Alors, qui va être le room capitaine? Attention. Mais genre, les ennemis sont relativement buggés, par exemple. Et genre, là, ça sert pas... Enfin, je sais pas. Peut-être moi, hein, qui bug. Et genre, le fait que je puisse pas m'accroupir, que je puisse pas tirer vers le bas... Ouais, après subir le chat, je suis habitué. Hein. Ah, j'ai le double jump. Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Mais ça, c'est un peu de la merde, quand même, ces ennemis-là. Genre, ils lâchent une crotte de temps en temps, ils peuvent te one-shot, là. One shot, non, mais. Ah non, mais le jeu n'est pas fou du tout, hein, je vous le garantis. Hein. Donc j'ai. Ah, c'est Klex 3D qui est. Ah, bah, il n'y a que Klex 3D qui a choisi, donc forcément. C'est bête. Donc il peut offrir un cœur de l'or, un ennemi des bombes, un petit roue de Morizine, d'accord, ok. Et j'ai pas vu. Je vais plus vite, je crois. Je crois que j'ai trouvé la bonne technique qui est de martyriser le bouton. Ah, tu m'as offert un cadeau, ça va être un ennemi, j'en suis certain. Bravo! Tu n'étais pas du tout prédictible. Prédictible, prédictible, prévisible. Je vais parler français aussi, hein, ça va être bien. Husky enemy, you can fit entirely in their mouth. Don't let that happen, majority trouble. D'accord, c'est des gros ennemis, c'est ça? Je sais pas, ou bien c'est des huskies. Ça serait gênant. Le jeu est absolument naze. Hein. Genre, il y a vraiment... Ça... Parce que je me rappelle qu'à l'époque, ça a fait un événement pas possible. Donc, c'est quoi ça? Moi, je me rappelle que les gens en parlaient et tout. Il y a même des gens qui m'ont fait « Mais c'est trop dommage que ce soit sur Twitch. T'aurais été... sur Hitbox, ça aurait été sur Twitch, mais on aurait pu s'éclater sur Choice Chamber pendant des semaines !» Et des gens qui étaient là à me dire « Mais t'as raté le meilleur jeu de l'année, quoi. » Non, ça, ça a l'air d'être une très mauvaise idée de prendre ça. Quoique, peut-être que c'est bien. Non. Ah, j'ai un cadeau. Ça va être de la merde, ça va être de la merde, attention. D'accord, c'était une bombe, ça ne se voyait même pas. Le design est pourrave du cul aussi. Hein. J'ai des attaques... Ah, d'accord, ça va plus vite, ouais. Et des confettis. Ok. C'est ça les confettis? Ah, ouais, c'est rigolo. Non, c'est rigolo, j'avoue, je le reconnais. Mais là, par exemple, vous voyez, les ennemis sont tellement pourris du cul qu'ils peuvent pas m'attaquer, en fait. Donc je suis obligé de descendre pour aller les attaquer. C'est pas... En fait, je meurs souvent à cause du jeu plus que par le jeu, vous voyez.
Mais si vous vous amusez, vous, c'est tant mieux. Hein. Mais moi, bof. Hein. Genre là, je peux pas le toucher. Je suis obligé de descendre avec lui, risquer ma vie. Vous avez dit que c'était pas ouf. Tout le monde le demandait depuis des mois. Maintenant, son éruption piège. Mais il y a des gens qui ont fait... Allez, on prend Burning, là. Mais c'est vrai que, ouais, on... Enfin, je veux dire, y a pas trop de possibilités dessus, quoi. J'avoue, jouer à PvP, c'est amusant. Ah, il y a un cadeau, ça va être un cadeau de merde, attention. Gagné. What? Ah, je fais des éclairs maintenant, c'est cool ça. Waouh, j'ai un cœur en feu. C'est quoi ça? Bombe de flore. Ah, il faut choisir de 1 à 5. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, je dois éviter les bombes. Oh fuck! Oh, quelle très mauvaise idée de Maxime Robinet. Bah évidemment, bah. Oh. Non, mais vas-y. Putain. Ça, c'était nul, par exemple. C'est uniquement fait pour me faire mourir, c'est nul. Bon, c'est cool, les éclairs, mais c'est cool deux secondes. Visuellement, c'est dégueulasse, par contre. Et puis, les bruitages arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ça... Ah mais... Mais va t'enlever. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non mais putain, va te faire foutre. Putain mais c'est insupportable ce jeu. Alors, j'ai 3 cœurs. J'en fous. J'ai plus de crit... Plus de crit. Donc je sais pas si les crits c'est de l'argent ou si des critiques. Ça doit être des critiques, va. En même temps, l'argent... Ah merde, il m'a tué. Et genre, je peux mourir comme ça, quoi. Ah, en fait, c'est un peu plus dur maintenant, j'ai l'impression. Peut-être le jeu qui est plus rapide aussi. Ouais. Wow. J'ai un Flaming Heart ou un truc comme ça, moi. C'est franchement pas top. Ah, y a 3 ennemis pour l'instant. Sticky Floor, ouais. Tiny Enemy, ouais. Invisible Heroes. Mais c'est une très mauvaise idée, ça. Qui s'est dit c'est rigolo? Qui s'est dit ça? Et j'ai encore la chance d'avoir une arme qui rend mes attaques visibles. Mais ma présence visible. Par contre, le son arrête pas de bugger, non? Il y a des... Sans arrêt. Là, vous les entendez, non? Eh oui! Quel meilleur ennemi. Voilà. Eh mais c'est... J'ai bien conscience que c'est les éclairs qui va... Putain, va te faire baiser le cul, quoi. Un ennemi nul comme ça. Bon, il me rend mon cœur direct, ça, c'est cool. C'est pas du sound design, déjà. Ma... Quoi, faut... Oh, putain. Ah, Leaf Art. On sait pas ce que c'est, hein, toujours. Peut-être c'est bien, hein. Va te faire baiser le cul, toi. Ah, lui, il a un truc, c'est ça? Midas, ouais, c'est ça.
Ah oui, il y a un scénario où t'avances, et à un moment, tu meurs parce que les gens ont choisi un truc de merde. Cool, Pogo Jump, merci. Quoi ? Ah, apparemment, il y a un truc pour les subs. D'accord, d'accord, une one shot, très bien, ok. Non, mais tombe pas dans le trou, gros con! Ah, c'était. Ah, d'accord, c'était un boss. C'était nul, c'était nul. Sincèrement, il y a vraiment des gens qui s'amusent sur ce jeu. Oh là là, il y a un monstre qui est caché. Oh là là, il m'a tué. Ah, mais même le jeu, il rave. C'est insupportable. Cette... Je vais me suicider là, je pense. J'ai pas envie de voir plus. Tue-moi. C'était pas mal comme jeu. Je pense que ce jeu était valable pendant 10 minutes. Nous avons trop joué au jeu. Adieu. Oh, tu es triste, petit bonhomme de merde. Eh bien, j'espère que tu vas crever, pauvre chiasse humaine. Insupportable. Insupportable. Vous m'avez fait jouer à ce jeu de merde. Alors qu'on aurait pu discuter. Bravo. C'est honteux. Allez, pour la peine, on fait un sondage. Mais c'est quoi cet enturlupinage ? Merci Zex. Ah, tu viens de resub pour la première fois. Mais tu es... Tu es sub ? Du coup, tu es resub. Merci Zex. Voilà, le jeu était à chier, trop cool ou nul ? Votez bien, s'il vous plaît. C'est important. Non, j'ai pas dit que j'allais chanter. Tu as déjà joué à The Sexy Brutal ? Alors oui, je l'ai fait quand il est sorti. Je vous l'ai conseillé et c'était un des jeux que j'ai le plus conseillé cette année. Oui. Ah, sur YouTube, vous allez vous éclater, les gens qui regardent ce live. Vous allez voir le chat, là. Ouf. Donc, tous les gens qui ont voté 2, vous êtes ban. C'est l'effet du... C'est le contre-effet, hein. Ça, on vous l'avait dit. Putain, j'ai pas gagné les succès, quoi. Et pourtant, il y a eu une big update, hein. Ah, oh là là. Et donc, c'est un jeu qui a été fait sur Kickstarter. Ah, ils sont bien fait enculer, les gens qui ont Kickstarté ça. Oh, je sais pas si c'est avec l'Octopus, mais son vote a bien compté. C'est le Dark Souls des jeux de Twitch. Sniper Wolf, c'est possible. On a le droit de passer à l'orange. C'est légal. Surtout quand on est pressé. Ou qu'il y a quelqu'un derrière. Ou que t'es juste à côté de chez toi. C'était nul à chier. Je pense sincèrement que ce jeu m'a donné le cancer. J'espère. Du coup, n'hésitez pas à aller sur Kiss Planet pour acheter des jeux pour me payer ma chimiothérapie qui passe par Game Planet, qui sont donc partenaires de ma chimio. Ah, on est d'accord, Crispy, ça s'arrête vite. Ah, tes moniteurs auto-école étaient derrière toi. Ah, bah du coup, t'es passé à l'orange aussi. Et on est d'accord. Tu peux clairement passer à l'orange. C'est juste que oui, au permis, tu ne l'as pas, mais tu passes... D'ailleurs, combien de personnes passent à l'orange? Je n'ai pas, Nello.
Putain, il y a quelqu'un sur Twitch, sur Twitter qui dit: je viens d'avoir une affreuse pensée, et si un jour Jean-Michel Apathy venait à mourir? C'est vrai que ça serait quand même assez drôle. Une dégustation de Rayon X, du coup. Ben oui. Non, parce que Choice Chamber, mais version Dark Souls, ça serait cool. Bon, Nello, c'est quoi déjà Nello? En plus, je me rappelle plus. Parce que je suis bête. Qu'est-ce que c'est, Nello? Si, je crois que c'est... Non. Nello on Steam. Ça avait l'air vraiment bien, en plus, je crois. Mais ouais, mais oui, il a l'air bien, mais je ne l'ai pas, et ils m'ont pas offert. Je crois que j'ai des jeux qui ont été offerts aujourd'hui sur Keymailer. Est-ce qu'il y a des jeux rigolos? Non, pas du tout. Ça n'est pas rigolo. Ah, il y a un jeu qui s'appelle Invasion, ceci dit. Ah, ça a juste l'air nul, pas plaisant. Quantum Pilot, ah, ça a l'air nul. C'est chiant, il n'y a pas beaucoup de jeux nuls à chier là récemment. Moi, j'aime bien les bons jeux nuls à chier. Non, car tu nous as dépassés avant de passer le feu. Je vous ai dépassé. Oui, non, mais d'accord. Mais attends, tu nous as dépassé avant de passer le feu. Mais c'était où? J'ai déjà répondu, Reptilian R6. Ah! Pauvre Pepper Wolf qui se fait attaquer à cause de. Eh, je veux pas dire, j'ai eu mon permis avec 31 sur 31. Bon, parce que c'était une remplaçante. Mais, quand même. Et si nous, on venait à mourir? Oh! Et surtout qu'il y en a qui sont beaucoup plus proches de l'âge de la mort que d'autres. Non, ouais, c'est vrai. En vrai, j'en avais déjà parlé une fois, mais en 2013 ou en 2014, je ne sais plus. Non, en 2013, je crois. Un viewer est mort. Vraiment. Et je l'ai appris. D'ailleurs, c'était horrible parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui devait bosser sur Oxide. Et avec quelqu'un avec qui. Bah, c'était à l'époque où je pouvais parler avec des gens sur Steam. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et du coup. Ben, on avait sympathisé. Et un jour sur Steam, ça parle et tout. Ça fait salut, c'est la copine de machin machin. Et je viens de parler pour t'annoncer qu'il est mort dans un accident de moto, etc. Et... C'était plutôt chaud, quoi. C'était quelqu'un d'ailleurs qui avait participé à un live. C'était un live où on avait fait un rap, un battle de rap. C'était nul à chier, mais lui, il avait fait un vrai rap dessus. Et c'était plutôt cool. Et voilà. Mais bon, c'est tout. Les gens meurent. Hein, c'est. Voilà. Moi, j'ai envie de dire. Bah, c'est dommage pour lui. Surtout pour ceux qui restent, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà. Enfin, après, il faut continuer de vivre, quoi. On peut pas vivre éternellement dans le. Dans la douleur de ceux qui meurent. Mais c'est quand même dommage. Et ouais, je me rappelle. Noctarius, ouais, c'était. Voilà. Death is part of life, tout à fait. Hein. Il était jeune, oui, il était super jeune. Il avait une vingtaine d'années, quoi. Donc voilà. Toujours cool, toujours cool. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que bah, voilà, ça arrive forcément, je veux dire. Il y a un moment, il faut savoir, ça arrivera toujours. Et c'est vrai, c'est quand le tour de Gex? C'est ce qu'on se demande tous. C'est ce qu'on se demande tous. Mais bon, je ne perds pas espoir, je ne perds pas espoir. Je pense que ça arrivera assez vite, notamment peut-être début janvier. je pense qu'il sait de quoi je parle. Je l'espère en tout cas. Attendez, j'essaie de voir si c'est bien le jeu dont on parle. Voilà. Donc, je peux prendre Nello si vous voulez. Peut-être ça sera de la merde. Si c'est de la merde, je banne def trois personnes sur le live. Je vous le dis, hein. Donc, qu'on soit clair. Mélo le Nélo, pas Mélo. Salut Jean. Moi. Tout à fait, Clex 3D.
À quand la suite de The Evil Within 2? Ja, putain de mai. Non, en vrai, je dis ça, on le fera dans 2 ans, comme le premier, on l'avait fait longtemps après, vous inquiétez pas. On le fera, ça sera merveilleux, tout le monde le fera. Mais t'as vu, mais c'est pour ça qu'il était trop bien. Et moi, je fais, mais non? Et ça sera un merveilleux moment. Salut, Necromonger. Lalilou. C'est vrai que je te force à être en vocal. C'est vrai. Pas de soucis, Dune. FMI, c'est nul, hein, vous avez vu, c'est nul. Hein. Pourquoi on va continuer? On n'a qu'à continuer parce que c'est nul. Hein. Eh, arrêtez, c'est votre type de live préféré, vous le savez aussi bien que moi. Vous êtes ridicule. Autant que moi. J'ai acheté Nello, hein, donc je tiens à dire quand même que je suis quand même un mec sympa. Voilà. Nello. Voilà. Hop, Nello. Eh, j'espère sincèrement que c'est mieux que Choice Lumber, sinon je vous banne def, hein, je vous préviens. J'en choisis là au hasard. Klex 3D, Zex et Jex Dragon, je vous banne def. Totalement au hasard. Tiens, parlant de ça te dit de que je fasse gagner un jeu. Avec plaisir, Jin. Que veux-tu faire gagner? Moi, mon live type de live préféré, c'est quand les potes à Maxime montent leur tête. Donc, t'aimes pas quand je monte les miens? C'est ça. Ok, je vois. Très bien. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ça va être le pire jeu de tous les temps. Être dans le même train que Jex, c'est peut-être le mieux, Zex. Putain, Zex et Jex, vous avez un pseudo tellement proche. Vous êtes peut-être la même personne. Ça n'a jamais été prouvé le contraire. Donc 14, tu seras ban def 2 fois. Putain, tu fais gagner Château Tactique, c'était où? Mais il est vachement bien! Allez, parlez dans le chat si vous voulez le gagner, c'est parti, attention. 5, 4, 3, je décale le temps parce que vous êtes en décalé pour moi. 2, faut parler dans le chat, hein, dire un truc si vous voulez gagner le jeu, sinon vous allez perdre la vie. Et c'est parti! Et c'est Snookito qui gagne! Bravo à toi, Snookito! Ça aurait été trop drôle que ça soit dégueu. Putain, Zizi tout dur, ce pseudo est joli. Ouais, Sean May, ça fonctionne comme ça aujourd'hui en tout cas. On passe donc sur Nello. Bon, par contre, je vais pas faire un live de 1000 ans là-dessus, je vous préviens. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me décaler trop. Même si j'aimerais tellement. Mais non. Donc on passe à Nello. Zéro spectateur. Hein. Donc à Choice Chamber, il y en avait 30. Il y avait peut-être quelqu'un qui faisait un live dessus. En même temps que nous. On aurait pu se battre contre lui, ça aurait été un super live. C'est parti pour Nello. Attention au son, je ne le maîtrise toujours pas. Alors, je tiens à dire que ça s'est lancé en fenêtré, ce qui est très bizarre. Attendez, j'attends qu'il se lance. Donc c'est en early access, hein. Ils tiennent à le dire, blablabla. Eh, le son a l'air correct, hein. Wow, le menu est joli. Wow, le son arrive, le son arrive. Le son est là. Alors attendez. Ouf, putain, il y a plein de trucs. Je sais que vous voyez pas le jeu. La musique est pas trop mal. Putain, on peut mettre 5 fois la résolution.
Eh, la musique est bien, non? Moi, je trouve ça pas mal, la musique. Hein. Moi, je veux tout en ultra, je suis un ouf. Voilà, lens flare, blablabla, tip of field, ouais, sharpness. Ouais, y a pas de motion blur. Off. Mais tout à fait, Sykes. New story déjà. Oh, cute, adept. Ah, c'est rigolo, regardez, il grandit. Ah. On va se mettre en recute, hein. On n'est pas. Voilà. On n'est pas prêt. Hein. Ok. This should be recording now. We are the people of Tonogaya. C'est les gens de Tonagaya. Prosperu Plablum. Oh, mais votre planète, on dirait une boule de métal rouillé. But for us, progress carried a price. C'est vachement intéressant ce que tu nous dis là. Oh, j'espère que ça va pas passer la vidéo là d'un coup parce que franchement, je serais trop dingue. Ah mince! Ah bah non! Ah, flûte alors! Et donc là, il n'y a pas de flou du mouvement. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Wow, ça bouge là. Ah, la caméra, elle fait du bobbling dégueulasse. Putain. What? Attendez, je vais baisser le son parce que c'est vraiment très fort. D'accord, il veut pas que... C'est mieux là. Putain, j'ai une queue et tout. Ma bouche elle est trop drôle. Je suis tout le temps comme ça. Blablabla, j'en ai rien à foutre. Et vous croyez que ça joue à la manette ou pas? What? Putain, j'ai des mains et tout autour de moi. Putain, c'est trop marrant parce qu'on dirait que c'est des putains de soldats et tout, alors qu'en fait c'est des deux ligueurs. What? Ah, ils ont des petites queues aussi, j'avais pas vu. On a tous des petites queues. Holy shit. Eh hey, mais les bruitages sont trop bizarres. Hein. Waouh, on peut courir comme. Incoming! Engage them! Keep moving! Go! C'est quoi les ennemis? C'est ça. Ah et ça fait piou piou hein. Ah merde, il y avait un mur. Ah mais je peux faire ça en fait. Ah, c'est carrément trop bien. Je sais pas c'est comment pour taper avec mes mains, ils l'ont pas dit. Ah si, c'est avec X.
D'accord. D'accord, c'est pas trop mal en fait. Rang E, c'est plutôt pas mal, hein. You heard him, Nilo. Get to base B. Help them. We'll be fine without you. Alors. D'accord, faut faire quoi là? Wow, d'accord. Je suis vraiment une sorte de... super robot du futur. Ah mince. Je comprends pas grand chose à ce que je fais quand même. Hein. En fait, il y a trop d'effets, on comprend que dalle à ce qu'on voit. Genre, ça bouge, mais ça bouge presque trop vite en fait. Et ça fait quand même vachement mal aux yeux. On voit quand même vachement mieux quand on fait ça. Il y a trop de touches à appuyer en vrai. Là, je suis obligé de constamment appuyer sur deux touches. D'accord, en fait, il veut pas que je joue comme ça en continu. Je vais mourir, mais je comprends pas grand chose en vrai. La caméra, elle passe sans arrêt derrière des trucs, devant des trucs, c'est horrible. Je pense qu'il vaudrait mieux... Avec la souris, c'est plus simple. On va voir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah mince, je pense que c'est parce que j'ai mon clavier en... Ouais, voilà. Donc... Ah, c'était pas le bon truc. C'était pas le bon truc du tout. J'aime beaucoup quand il meurt dans le ciel comme ça. En fait, il y a tellement d'informations à l'écran que je ne vois même pas les messages qui m'affichent. Et le problème, c'est que... C'est fermé. Comment on fait pour taper au corps à corps avec eux? Je sais pas, c'est ça. Ah, c'est mieux à la souris, hein, on est d'accord. Mais ça reste relativement illisible. Regardez juste mon visage dans la webcam. D'accord? Et dites-moi pas qu'il n'y a pas trop de lumière. Genre quand mon visage est éclairé par le jeu. À ce point-là, c'est qu'il y a trop de... il y a trop de lumière. Après... Ah non, bah non, je suis mort, là. J'adore quand il meurt en plein ciel. Vous savez quoi? Je pense que c'est un jeu que je vais laisser vivre avant d'y jouer. Par contre, en vrai, ça m'a donné envie de jouer à Metal Gear Solid Rising. Non, Metal Gear Rising. Metal Gear Rising, je crois qu'il s'appelle Metal Gear Rising. On va désinstaller Nilo. Et par contre, franchement, il a du gros potentiel. Je pense vraiment que il lui faut pas grand chose. Peut-être abaisser la quantité de trucs qui me balancent dans la gueule. Non, tu n'es pas ban 14. Franchement, il a un très gros... Il a un très gros potentiel. Moi, il me fait penser à un mélange entre Vanquish et Metal Gear Rising, ce qui est très positif. C'est juste que, là, avec la fatigue, je ne suis pas prêt pour autant de lumière. Voilà. Mais c'est pas mal. Donc, Metal Gear Rising. Allez, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Voilà, Metal
Gear Rising Revenge. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il s'appelle Revengeance, pas Vengeance. Ça, ça a l'air bien. On le fera. Ça fait très longtemps que je veux le faire. J'ai commencé en live et j'ai jamais terminé parce que j'étais pas prêt pour un jeu d'action. J'étais pas prêt. En même temps, les jeux d'action, c'est pile ou face, hein. Franchement. Mais je crois me souvenir qu'il était rigolo quand même. Donc c'était pas mal, 14. Plus 5 points fun. Mais j'avoue que. Revengeance, ouais. Revengeance, c'est pas. C'est quand vous vous êtes déjà vengé, que la personne en face s'est vengée, et du coup vous vous vengez de sa vengeance. C'est la revengeance. Ça vous est jamais arrivé? Vous vivez pas dans des. Dans des Seinen ou des Sojo. Ou... Sojo, moi. Seinen. Sonnen. Voilà. Metal Gear Revengeance. J'adore ce nom. Ça pue du cul. Par contre, j'ai testé un jeu qui s'appelle Dustwind, qui n'est pas encore sorti ou qui va sortir. Si, il vient de sortir. Et c'est vachement bien. C'est genre, imaginez si Fallout était devenu un jeu de combat tactique en temps réel. Cool. C'est un peu ça. Alors, c'est pas Metal Gear Solid Revengeance, c'est Metal Gear Rising Revengeance. Ce n'est pas un Metal Gear Solid, vu qu'il n'y a pas Solid Snake. Le nom du jeu que je vais faire là, c'est Metal Gear Rising Revengeance. Le jeu dont je parle là tout de suite, c'était Dustwind. Donc, comme poussière, vent. D'accord, Dustwind. C'est quand la suite de FF9? Quand je serai pas fatigué. Non, certainement demain. On se fera un live FF9. Peut-être même vendredi soir. Peut-être même samedi soir. Nolo C del Calor. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Fallout 4 VR, tu as vu 60 euros pour jouer à la version VR d'un jeu qu'on a déjà. Ah oui, d'accord. Mais c'est le même jeu. Ah, je savais pas qu'il fallait le réacheter. Ça, c'est un peu chier. Alors, 14, j'ai fait Bomber Crew en live alors qu'il venait de sortir. Et tout le monde l'a acheté sur Games Planet en promo. Là où il faut l'acheter parce qu'il est en promo. Pas de soucis, Judas, en vrai, je me plante tout le temps. Et Metal Gear Rising, je me souviens que j'avais bien aimé, c'est juste qu'en live, j'avais... Je sais pas, j'étais pas... À l'époque, vous savez, c'était une autre époque, et voilà. Alors, Debnet, c'est un peu comme Wasteland, mais c'est en temps réel. C'est vraiment sympa. J'ai fait que le tuto pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'y jouer vraiment. Mais c'est très sympa, le ton est très fun. Pour un early access, ça sent très bon. Attendez, vous allez avoir le lien Games Planet. Je sais pas pourquoi il vient pas. Voilà. Vous pouvez y aller. Alors, Games Planet m'a demandé de faire un live sur Riot. Civil Unrest. Et pour être franc, j'ai eu le jeu offert par les développeurs avant qu'ils me demandent, hein, Games Planet. Mais je ne pense pas vous le faire, simplement parce que j'ai joué au jeu et je pense que c'est clairement pas mon type de jeu. Après, quand j'y ai joué, il y avait absolument rien me permettant de... comment ça s'appelle ? De comprendre comment fonctionnait le jeu. Donc j'ai testé des trucs, ça marchait plus ou moins, j'ai gagné. Plus ou moins au hasard. Je suis pas... Voilà. Ça m'attire pas trop. Donc... Je vous laisse le plaisir de faire ça. Voilà. Ah, Debnet, je suis désolé. Dustwind est vraiment cool, en tout cas. On le fera en live, mais j'ai envie d'être éveillé quand je le fais, vous voyez. Parce que là, je suis pas vraiment éveillé. On va être clair. C'est pas mon type de jeu, égal, c'est de la grosse merde. Tout à fait. Non, c'est juste que j'ai pas envie de le faire, quoi. J'ai pas envie de me forcer à faire un truc. Voilà. Bomber Crew, on dirait un petit peu Faster Than Light. Alors, c'est Faster Than Light, mais en temps réel et où tu gères tout, plus de trucs que dans Faster Than Light et en même temps moins de trucs. Franchement, c'est très 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 sympa. C'est vraiment un bon petit jeu indé qui est sorti ces derniers mois.
Body Monster, non, parce que demain, enfin vendredi matin, je dois me lever à 8h pour donner cours à 9h, donc je n'ai pas envie d'être mort. Donc demain, je vais trabarrer sur notamment sexe de la fin d'année. D'ailleurs, Drogue devra arriver bientôt, puisque enfin il a été terminé en début de semaine, donc il devra arriver bientôt, et le prochain Drogue, donc celui qui sort, c'est sur Pokémon. J'ai eu des nouvelles infos sur Pokémon, ça c'est quand même ouf. Et les prochains sexes est sur Doom. Je donne des cours, et oui. Je donne des cours sur Adobe Premiere Pro. Professeur Robinet. Vous pouvez m'appeler Professeur Robinet. Je pense que c'est mon nom officiel maintenant. El Professeur Robinetto. Ça sera mon nom de prof. C'est aussi mon nom d'acteur porno, donc ça tombe très bien. Et j'ai 5 élèves, tout à fait, Alexis. Non, pas de fac d'une école d'infographie et compagnie. Donc voilà. Je suis pas prof de fac, vous êtes fous. Je donne des cours de Adobe Premiere Pro, le logiciel de montage. En tant que professionnel, voilà. Non mais Debnet, évidemment que je ne suis pas professeur. Mais je reste professeur Maxime Robinetto. El professeur Maxime Robinetto. Ça reste mon titre. Tout à fait, Xemnas, d'ailleurs. Tu en as. Mais non. J'ai lancé le jeu. Ah merde, j'ai joué 44 minutes apparemment. On va effacer ma sauvegarde parce qu'on est des ouf. Je vais baisser le son. Alors Alexis JLM, en vrai j'ai pensé à une époque faire des lives là-dessus. Mais je sais pas, ça intéresserait beaucoup de monde. Je suis en train de configurer le jeu. Mon dieu. Ah, what the fuck, y'a pas autre chose que 1080. Tout à fait, Vince. Putain, c'est quoi cette merde? Oh, si je l'ai pas mis en français, à mon avis, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de... Il y a une VF. Ça doit être dégueulasse, il y a une VF. Bah franchement, n'hésite pas, Devnet. Avec un mail, y a pas de souci. Moi, en fait, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai pas de peur de faire ça, en fait, du tout. Au contraire, j'aime bien. Après, comment j'essaie de rendre le truc plaisant, donc c'est pas forcément simple. Mais là, c'est assez particulier parce que c'est vraiment des débutants. Et je pense que le premier cours que j'ai donné n'était pas pour débutants. Et du coup, quand j'ai compris qu'ils ne savaient pas certains trucs et tout, j'ai redescendu un peu le niveau parce que j'avais visé en haut. Voilà. Mais voilà, c'est très intéressant en tout cas. Zach Nathan, oui, c'est juste qu'en ce moment, je t'avoue que je suis très 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 pris. Et que là, pour vous donner basiquement une idée, d'accord ? J'ai fait le tournage du week-end dernier où je n'ai quasiment pas dormi. Je suis rentré chez moi, j'ai fini l'épisode de Drogue que je n'avais pas pu terminer parce que je n'ai pas dormi, parce que j'essayais à chaque fois de dormir mais ça ne marchait pas, mais du coup je travaillais pas donc c'était chiant. Bref, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai fait des trucs d'organisation, tester du matos, etc. que je dois tester pour les cassettes mystérieuses, d'accord. D'ailleurs, j'ai tellement envie de vous en parler, je peux tellement pas vous en parler, ça me fait tellement chier, parce que c'est tellement cool. Mais bon, je peux pas vous en parler, c'est comme ça. Du coup, après, j'ai fait cours. Après, je suis rentré chez moi et j'ai dormi comme un sac, alors que je voulais faire un live.
aujourd'hui, ça a été plus ou moins la même chose, mais en même temps, je dois préparer le prochain sexe, parce que la semaine prochaine, je ne peux pas travailler, vu que je serai en tournage. Et je prépare le tournage de la semaine prochaine, et je prépare d'autres tournages aussi plus tard. En même temps de tout ça, je prépare le prochain jeu de rôle, donc Glabux, et aussi je prépare un projet de vidéo pour l'instant avec Carrefour et Big Geek. Donc je vous en parle vite fait, hein. C'est pas rien n'est signé, rien n'est fait, etc. Mais ça pourrait arriver, donc vous étonnez pas si un jour vous me voyez dans Carrefour. Et voilà, donc c'est cool, mais ça avance, mais du coup ça me prend énormément de temps. Et du coup, je suis désolé, des fois je réponds pas à des mails, des fois je ne fais pas de live alors que j'avais dit que j'en ferais. Parce que tout simplement c'est relativement secondaire par rapport à mon temps. Voilà. Oui, Dubnet, il n'y a pas de souci à monter dans le nord. Ma vie est fatiguée et est compliquée, je suis totalement d'accord, Mortal Soda, et ça me fatigue aussi. J'aimerais bien revenir à l'époque délicieuse. Alors, Alexis, j'apprends d'abord le logiciel, parce que le montage, en fait, par rapport au rythme de montage, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus long à appréhender, et si tu ne connais pas déjà le logiciel, c'est impossible. Donc ça ne sert à rien de passer par le montage si d'abord tu ne l'as pas appris le logiciel. Donc d'abord, là, c'est une initiation, c'est 7 heures de cours, donc c'est très court. Court, bref. J'ai préféré... tout simplement, investir le temps qu'on avait pour leur apprendre le logiciel et qu'à la fin, ils puissent eux-mêmes bricoler avec le logiciel, parce que c'est ça qui est plus intéressant pour eux. Voilà. Tout à fait, la faille, vous êtes secondaire. Non, mais les lives, j'ai toujours dit, c'est quelque chose de relativement secondaire pour moi. Mais puis, de toute façon, j'aime bien faire plein de trucs, donc tout va bien. Enfin, j'aime bien. Jusqu'au jour où je me suiciderai et que vous l'apprendrez dans les journaux. Mais ça, c'est normal. Regardez cet extrait de live datant de 2017. Il l'avait dit. Ah, et franchement, n'hésite pas, Zach. Zach Nathan. Vraiment pas. Je ne prends pas mal les gens qui me relancent. Vraiment. Sauf si je vous ai déjà répondu. Et que j'appelle ça du harcèlement. Mais là, c'est pas du harcèlement. Si je t'ai pas répondu, si tu n'as pas de réponse, ce n'est pas du harcèlement. Pas de souci. Ah oui, Final Cut. Ouais, ouais. Bah, c'est bien pour enfants. Hein. Non, mais voilà, c'est un peu. Ouais, Carrefour. Carrefour, je peux pas vous dire exactement dans quelle mesure, etc. Parce que je ne le sais même pas. Voilà. En gros, je bosse avec Big Geek et Big Geek a un lien avec Carrefour, donc voilà, c'est tout. Hey. Ouais, DapFaith, je pense pas l'avoir déjà fait. Je pense pas avoir insulté qui que ce soit par mail. Donc tout va bien. Ah ouais, vous avez vu, Auguste Ames est morte. Donc c'est une actrice pornographique et du coup elle est décédée. Et je trouve ça choquant dans le sens que c'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'une actrice porno décédée. Mais peut-être parce que je m'en renseigne pas. Mais du coup je me demande, les gens qui se masturbent sur Auguste Ames, est-ce qu'ils vont continuer malgré qu'elle soit morte? Ou est-ce que ça devient sale? Ça devient commercial. Alors, ça l'a toujours été, Jean. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours dit, je vends mes vidéos. Et en fait, je m'en fous du client. Tant que le client ne me pose pas de problème moral, tout va bien. Autant, tu vois, Leclerc, je le ferai pas forcément parce que, bah, tout simplement, mon père est pharmacien et Leclerc, les pharmacies, c'est pas la joie, mais bon, bref. Autant Carrefour, franchement, j'y vais assez régulièrement, et j'en ai un peu rien à foutre de faire une vidéo pour Carrefour tant qu'il me paie et que la vidéo les satisfont. Moi, ça me va. La vidéo, pour le coup, c'est même pas un placement de produit, c'est juste 100% une pub. Et ouais, mais j'ai déjà fait, et techniquement, quand je faisais des vidéos pour jeuxvideo.com, c'était plus ou moins pareil. Et là, en gros, eux, ils veulent juste un produit précis. S'ils sont satisfaits, très bien, ils diffuseront. Ils m'ont payé. Voilà, c'est clean. Mais vous le savez, c'est marqué Carrefour dessus. Je veux dire, ça sera pas. Et puis je suis clair sur le fait. Enfin, je vous en parle là. Je le cache pas. Non, c'est une vidéo hein, pour Carrefour. Pas de soucis.
Ah, t'as fait fouiller des fois, je réponds pas. Je sais pas, perso, j'ai eu du mal. On peut diffuser sa carrière à la télé comme Fordoni, mais oui. Ah, putain, horrible, Alexis. Est-ce un porno carrefour? Oui. Non mais 14, on restera dans mon dans les jeux vidéo, le high-tech, tout ça. Pas de soucis. Encore un qui avait du beurre à sa table durant l'occupation. Elle est trop bien, cette expression. Merde, j'adore. Ah non, mais oui, Jin, je sais que tu déconnes. Non, mais je le précise, parce que c'est vrai qu'il y a... En fait, il y a un gros problème entre YouTubeurs, vidéastes, tous les gens se perdent un petit peu. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être choqué de voir un YouTuber faire quelque chose comme ça. Mais moi, je me suis jamais vraiment considéré YouTuber. Je suis YouTuber de fait, mais mon métier, c'est pas YouTuber. Je gagne pas de l'argent grâce à YouTube. D'ailleurs, jeuxvideo.com, si vous pourriez me rendre ma chaîne, ça serait cool, parce que j'aimerais bien gagner de l'argent. Bref, mais du coup, oui, non, je ne suis pas YouTuber, je ne gagne pas d'argent grâce à YouTube. Pour vous dire, hein, je gagne largement plus d'argent avec Twitch que j'en ai jamais gagné sur YouTube. Tout simplement parce que bah, la pub sur YouTube, faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de vues pour gagner de quoi vivre. Donc voilà. Et je ne fais pas les vidéos pour gagner de l'argent. Enfin, le seuil de l'étrange, par exemple, je sais très bien que je ne vais pas gagner d'argent dessus, c'est pas mon but. De ne pas en perdre, ça serait pas mal. Mais ça sera pas le cas. J'ai déjà mis le budget qu'on a gagné. Donc techniquement, j'ai déjà payé la moitié du budget. aïe. Putain, ça sera... Merde, j'allais prendre un truc qui aurait tout spoilé. Je peux rien prendre. J'ai pas de jeu autour de moi. Si, j'ai peut-être des jeux là-dedans. Bah je fais des contrats pour l'argent. Mais ça, c'est des contrats, donc tout va bien, j'ai le droit. Putain, j'ai Is. J'ai quoi comme jeu là? God Eater 2. Steins Gate, putain, j'avais complètement oublié. J'ai... PG4, putain. Hyrule Warriors, ouais. Xenoblade, ouais. Super Mario 3D Land. Faudrait que je termine Super Mario 3D Land, j'avais bien aimé. J'ai hâte de jouer à un Mario. Mais étonnamment, j'ai pas super hâte de jouer au dernier Mario. Je sais pas, il a l'air cool, mais il a pas l'air ouf. Après, quand j'aurai une Switch, je le prendrai, mais ouais. Oh ouais, ça serait pas trop bien de faire une vidéo sur la Switch pour Carrefour. Comme ça, les gens, ils seraient tellement deg de... Merde, ça me fait vraiment rire. Les gens qui ont vu la vidéo où je fais « il faut pas acheter la Switch », etc., machin, ils seraient tellement... Ça serait trop bien. Oh, je serais pété de rire. Les commentaires, ils seraient fous. Ah, l'enculé, il a fait ça comme vidéo et maintenant il fait une vidéo sur la Switch. Merde. Oh. C'est comme je disais, à une époque, j'aurais trop dû faire un live avec juste la boîte de la Switch derrière. Que quelqu'un me passe, vous voyez, ça aurait été tellement drôle. Monster Hunter World, franchement, ouais, ça me tente bien, Zex. Vraiment. Ouais, c'est une bonne idée de différencier comme ça, Zach Nathan. C'est une bonne utilisation des mots, je pense. T'as raison. YouTuber, ça peut être n'importe qui, effectivement. Parce qu'effectivement, moi, ma vidéo, demain, j'arrête de les mettre sur YouTube, je les mets sur Vimeo, ça va pas changer grand-chose pour moi, en fait. Hein. Le nombre de vues, oui, d'accord, mais je fais pas ça pour ça. Donc, techniquement, j'aurais... Enfin, pour être franc, j'ai réfléchi à sortir le seuil de l'étrange sur Vimeo. Tout simplement pour la qualité d'encodage, mais je ne suis pas sûr que ça soit si différent que ça. Mais je pense que, tout simplement, je ferai une sortie parallèle, en fait, les deux. Et sur Vimeo, ça sera la version accessible en avance. Peut-être. On verra. Odyssey, c'est le Mario de la balade pour les transports quand t'as 10 minutes à perdre. Ouais, mais ça peut être pas mal, ouais. J'ai une suite, etc. Donc si tu veux un de ces 4, je peux te la prêter. J'ai Mario, Zelda, Isaac, Street 2. Que tu fasses une idée sur le dernier Mario. Bah écoute, Petricor, après t'es sur Reims. Si t'es pas sur Reims, ça sera compliqué. Mais ça peut être sympa. Ça existe... Alors, Vimeo, ça existe encore, mais c'est vraiment ciblé créateur. C'est vraiment pour poster tes vidéos...
pour les faire voir à d'autres pros, c'est mieux de mettre sur, enfin c'est mieux vu sur Vimeo que sur d'autres trucs. Mais bon. De faire vendre la Switch pour Noël, ça donne. Non, je serais tellement pété de rire, ça serait tellement drôle. Je pense qu'ils, je pense pas que ça est leur but, mais putain, puis ils ont pas besoin de moi pour faire vendre la Switch, clairement. Mais putain. Saint Thomas, d'accord. Et non, il habite au Canada. Il y a quelqu'un qui doit me prêter d'ailleurs, c'est All-in, qui doit me prêter le PSVR, je sais pas comment on dit. Et du coup, j'ai trop hâte de faire ces lives là aussi, mais c'est pareil, je suis obligé de déporter sans arrêt dans le temps, parce que, reporter, pas déporter, ça c'est Jex. Parce que tout simplement, je n'ai pas le temps, j'ai pas envie de lui dire au mec, tiens, je te le prends, et puis je te le rends dans 6 mois parce que j'aurais pas le temps d'y jouer avant. Donc je ferai ça, je vais voir à vous réserver ça pour les vacances de Noël, ça pourrait être cool. Donc bah, Petricor, on peut voir ça ensemble. on peut voir ça ensemble effectivement par mail. Par contre, encore une fois, c'est la même truc. Faudrait voir un petit peu plus tard, peut-être en janvier, parce que j'aurais pas le temps avant. Et j'ai pas envie de prendre ta console pendant 6 mois, quoi. Mais juste la prendre genre quelques jours, ça serait sympa, comme ça, histoire de voir Mario un petit peu, et puis voilà, quoi. Entre ça et le beurre sur la table. Avec plaisir, Patrick. C'est vraiment gentil, en tout cas. Je vais lui voler et la revendre sur eBay. En plus, je pense que ça, enfin, on en trouve partout, non, maintenant, des Switch. Je crois qu'à une époque, il y avait soi-disant impossibilité de la trouver, je sais pas quoi, mais bon. Ah, ils viennent d'approuver une clé pour, je sais pas quoi, blablabla, PlayStation 4. Ah, mais oui, mais moi, je voulais sur... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais pas refuser le jeu, hein, mais... Donc c'est un jeu que je ne peux pas streamer avant le 8 décembre. Dommage. Sinon je l'aurais fait maintenant, mais... Ah non, c'est sur PS4. J'aurais pas pu le faire maintenant. En tout cas, les gens, j'ai super hâte de faire le... Comment ça s'appelle ? Le live jeu de rôle avec Jexo et Keblin. Et j'espère que ça va vous plaire, putain de merde. Non, franchement, là, j'ai préparé un petit peu la campagne, parce que, comme je vous ai dit, hein, ça sera une campagne qui ne se finira jamais. Tant que y aura des viewers, on continuera. Et par contre, le scénario va être de plus en plus complexe, avec tous les éléments, peut-être des éléments de premier épisode qui retaperont 10 épisodes plus tard, enfin voilà. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Alors, 14, c'est une très bonne question, j'en ai parlé ce week-end justement. Donc, un Weevent para... Alors, tu considères un Weevent ? Alors ça, je ne connais pas, comme j'ai dit, hein, moi, Ulule m'ont dit que c'était faisable, donc pourquoi pas. Mais Weevent, alors je ne connais pas ce que c'est, Weevent. Weevent, Exhibition, conseil. C'est quoi ça ? Ça n'a rien à voir. Non. C'est quoi Weevent ? Alors, Judas00, ce live jeu de rôle sera le premier, l'épisode 0 en fait, le prologue donc qui servira de début à l'aventure, donc à ne pas rater, mais assez, qui sera assez court, sera le 22 décembre, et donc l'épisode 1 sera le 29 décembre. Voilà. Weevent. D'accord, Weevent. Qu'est-ce que c'est que Weevent ? Solution de piétrer un live, personnalisé et vendez rapidement. Créer personnalisé, vous attendez sans adhérent, machin, etc. Je crée mon événement. Ah mais le problème c'est que les gens doivent... Est-ce que c'est possible de vendre en fait à partir de ce truc ? Parce que c'est ça le problème, c'est que moi je veux que les gens s'engagent financièrement, tout simplement parce que l'argent directement récolté servira à 100% au budget. Donc on ne peut pas faire l'événement sans ce truc-là. Vos billetteries, vos billets, ça c'est cool, ouais. Bah écoute, de toute façon ça c'est pas pour tout de suite. En gros, pour vous revenir là-dessus, comment ? Tu payes ton billet. Ah, bah c'est cool, 14. Je le mets en favori et n'hésite pas à m'en reparler si jamais j'en reparle. En gros, pour le. Donc, pour la murder, en gros, le scénar, etc., ça a pas mal avancé dans ma tête, mais ça dépend à 100% du lieu.
enfin pas à 100%, mais à 70% du lieu. Donc j'ai un lieu qui n'est pas cher, qui permettrait de baisser le prix des billets en fait, parce que j'aimerais bien qu'il augmente pas trop. Mais si on ne l'a pas, c'est vrai que ça va vraiment augmenter le prix des lieux. Pour vous donner une idée, ce lieu-là, on l'aurait à 500 euros à peu près pour le week-end. C'est un lieu superbe où on peut être à 50 personnes, entre 50 et 100 personnes sans problème. Et donc c'est cool, c'est pas cher 500 euros. Mais, et 500 euros tout compris, hein, j'entends nettoyage compris, tout compris. Mais le problème, c'est que c'est pas sûr qu'on l'ait. Et donc, je ne le saurai que l'année prochaine. Donc, c'est un petit peu chaud. Et les autres lieux que j'ai trouvés sont tous à 1500 euros. Donc, c'est quand même trois fois le budget. 1500 euros, ça veut dire qu'il nous restera plus grand-chose, en fait, hein, si on fait 50 places à 50 euros. Moi, je suis pas super partant. Je vais continuer de chercher un lieu soit gratuit, soit pas cher. Une possibilité que j'ai vue, c'est éventuellement le faire dans une forêt dans laquelle on installerait en fait un campement et la forêt serait privée. Et du coup, louer une forêt, c'est pas cher du tout, voire gratuit. Et du coup, ça coûterait juste cher en matos à acheter. Mais il faut voir en fait, parce que 1000 euros de matos à acheter, ça fait quand même beaucoup de matos. Donc, à voir. Après, le problème, c'est que ça veut dire que les gens doivent pisser et chier dans la forêt, des trucs comme ça, je suis pas super... On verra. Écoute, 14... 14, envoie-moi un mail, et on en parle ensemble. Parce que franchement, avec grand plaisir. Si t'es dans l'événementiel, t'en sais tellement plus que moi. Donc, moi, je sais faire une murder party, je ne sais pas l'organiser. Donc, pourquoi pas. Alors, Zex, en fait, justement, les normes de sécu, on peut voir à ça, justement. Mais 50 personnes, ça va, c'est pas... Enfin, je sais pas, à voir. Je sais que les normes de sécu sont particulières, mais qu'il faut vraiment dépasser un certain nombre pour que ça devienne vraiment relou, de ce que je sais. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe, et ça serait bien de savoir avant. De toute façon, on fera en sorte que ça soit safe, que ça soit légal, et que ça soit le plus cool possible et le moins cher possible pour les gens. Donc voilà. Ah mais tellement d'Emnet. Mais tu sais qu'il y a des trucs qui n'auraient jamais été faits sans les lives. Et je pense que le seuil de l'étrange en fait partie. Et pareil pour les cassettes mystérieuses. Il y a des gens, mais il y a Ada qui a rendu des services de ouf pour le seuil de l'étrange. Il y a d'autres gens pareils. Là, j'ai pas les pseudos en tête et ça me dégoûte. Mais voilà, c'est cool quoi. Rêve partie en douce. C'est un peu ça. Mais c'est pas une rave party, puis c'est super calme. Et puis franchement, les soirées étudiantes, etc., où il y a 100 personnes, les normes de sécurité, elles sont pas respectées du tout. Donc, je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. On fera en sorte que, bien évidemment, les infirmiers, j'en ai des tas. Enfin, voilà. Et vous venez tous avec votre capote, histoire d'être protégés quand Jax va essayer de vous faire des choses terribles. Ça sera sur Reims, la murder, j'espère que je pourrai être là. Alors, ça sera dans les environs de Reims, mais on fera des navettes entre Charleville et Reims, donc n'importe qui pourra venir, et on fera des navettes, en fait. Il suffira de venir en train, par exemple, et on fera les navettes jusqu'au lieu, et vous pourrez dormir sur le lieu gratuitement. Donc voilà. Il suffira d'amener un sac de couchage, un petit matelas ou un tapis de sol, et voilà. Après, on essaiera de s'arranger pour qu'il y en ait quand même un minimum sur place, au cas où. Mais voilà, après on s'arrangera avec les gens. Et par contre, un élément qui est super important, et je précise que c'est le truc qui me hype à mort, vous serez obligé de venir costumé, puisque ça sera une soirée costumée, mais votre costume devra être validé par l'équipe, bien évidemment, et votre rôle sera sélectionné en fonction de votre costume aussi, bien évidemment, mais du coup votre costume devra être cool. Ça, alors, attendez, hein, je ne vous demande pas d'avoir un cosplay tout le week-end. Ça peut être un costume léger, il doit être cool, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Et pas de doublon, c'est tout ce que je demande. Voilà. Et j'aurai un costume, bien évidemment. C'est vrai que ça sera l'occasion de cartographier les gens, mais ça sera prévu. Hein. On mettra des... En fait, on va faire un système d'organisation où on aimerait bien que, si possible, il y ait un minimum de voitures qui viennent. Tout simplement pour pas que, déjà, l'empreinte carbone, c'est cool de l'éliminer, de base. Et puis même, le covoiturage, c'est quand même cool, et ça vous permettra d'abaisser gravement les coûts. Donc, ça serait bien. D'accord. Ok, Riton. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de règle sur le costume. Il n'y a pas vraiment de règle sur le costume.
c'est le but, c'est vraiment des furries, ça serait tellement drôle. Non, mais voilà, franchement, il n'y a pas vraiment de règle. Après, il faut que ça soit en accord avec moi. Moi, je demanderais en fait une validation avec vous du costume, donc de l'idée déjà, et si possible de sa finalité. Mais voilà. Si on est moche, on peut considérer ça comme un costume de monstre. Tout à fait, Xenas. Non, je pense que mon costume, j'ai une petite idée de ce que ça sera. Voilà. Mais ça sera un vrai costume. Et peut-être que vous ne me reconnaîtrez pas. Donc, voilà. Et, par contre, je tiens à préciser que si vous êtes sensible, si vous avez facilement peur, si vous êtes cardiaque, etc., ne venez pas. Il n'y aura pas de gros screamer, il n'y aura pas de trucs comme ça, mais il y aura de la tension, quoi. Et il y a des moments où vous ne saurez pas trop si c'est vrai ou pas, et c'est ça le but aussi, c'est de jouer un petit peu avec le côté murder party et le fun. Mais voilà. Ah, mais ça va être trop bien, Devnet, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. C'est un des trucs... Alors, c'est quoi une murder, Kingdom 1 Déjà, ton pseudo est cool. Je te l'ai certainement déjà dit. Une murder party, c'est en gros un jeu de rôle grandeur nature à petite échelle. Donc, tout le monde a un rôle avec des objectifs, peut-être un gadget qu'ils ont sur eux qui va définir un peu plus leur personnage. Et du coup, un passé. Donc, leur personnage a, par exemple, un nom, a des trucs, etc. Il connaît un tel. Et voilà, et tout ça, c'est marqué sur une fiche, bien évidemment. Il a des indices. Et donc, tout le monde va devoir résoudre un mystère, ou plusieurs, et en même temps, accomplir les objectifs personnels. Et à la fin, du coup, il y aura des explications par rapport à ce qui s'est passé, comment, etc. Donc voilà. Est-ce possible de se déguiser en Jax? Oui. On a uniquement vêtu d'un chapeau melon ou d'une moustache. J'ai un cosplay de... Nines. Putain, trop bien. Nines, ça serait trop bien. Possible de venir en armure de maille et plate complète, ça me permettra de dérouiller. Franchement, oui. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je trouve ça super drôle, en fait. Puis, c'est pas si inconfortable que ça, on va être honnête. Donc, ça sera cool, quoi. Vous allez faire ça dans les beaux jours qui vont revenir? Pas du tout. On fera ça le 27 octobre. Hein. C'est quasiment sûr. La date est retenue. Je vais vérifier avec vous en live. Oui. Donc, c'est bien le 27 et 28 octobre. Donc, c'est juste avant Halloween. C'est pour ça qu'on choisit cette date-là. Donc, 27 et 28 octobre. C'est un week-end. Ça arrange tout le monde, je pense. Et donc, ça commencera à 14h le samedi. Bien évidemment, les gens qui ont plus de 10 heures de trajet pourront s'arranger pour venir la veille. On fera en sorte que ça soit possible. Évidemment, c'est mieux d'arriver le jour même, mais voilà. Et le dimanche, ça s'arrêtera en fin d'après-midi, donc vers 14-15 heures. C'est plus de 24 heures. Sommeil compris. Sommeil compris. Voilà. Alors, pour les costumes, il faudra les valider avec moi, hein, c'est tout. Je ne peux pas vous dire oui ou non là tout de suite, il faudra les revalider avec moi à ce moment-là. Donc, voilà. Ah bah, les gens, ça peut être qu'un week-end, ça ne peut pas être en semaine. Après, c'est un week-end dans l'année. Imaginez que c'est un putain de concert de Johnny Hallyday. Pour la nourriture, tout sera fourni sur place. Et on s'arrangera pour que ça convienne au maximum de gens. S'il y a des végétariens, s'il y a des musulmans, s'il y a des juifs, s'il y a des gens qui ne mangent pas de gluten, des gens qui n'aiment pas tel aliment, machin, etc. On fera valider le menu à l'avance. Donc pas de soucis. Attendez, j'ai pas vu l'extrait d'Asford. Ah, je suis obligé de déporter sans arrêt dans le temps, parce que... reporter, pas déporter. Ah merde, elle est bien celle-là. Il est vraiment bien. Si tu colles ça en forêt, gaffe aux périodes de chasse. Oui, oui. Pas d'inquiétude, ça sera une forêt privée, donc pas de possibilité de chasse. Voilà, bien évidemment. Après, dans l'idéal, on fait pas ça en forêt, on fait ça à l'endroit que je pense. Et ça serait putain de parfait. Mais bon, on n'y est pas. Hop. On va manger des cailloux, oui.
S'il y a des musulmans juifs vegan. Et oui. Des chips. Eh bien, bonne nuit, Kazma FR. De toute façon, moi, je vais me coucher aussi. Il est déjà 1h17, bordel de merde. J'avais prévu de me coucher tôt. Je vois que je suis plutôt efficace dans le fait de me coucher tôt. Comme d'habitude. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et pareil, il y aura possibilité d'être NPC. Personnage non-joueur dans la Murder Party. Ça sera moins cher. Pour ceux qui ont moins de budget. Bon, ça sera pas extrêmement moins cher non plus. Hein. Ça sera pas 5 euros. Hein. Ça sera genre... Là, je ne sais pas encore les prix. Je peux pas vous les dire. Mais ça sera quelque chose genre 30 euros et 50 euros pour être joueur. Un truc comme ça, quoi. Mais voilà. Ça peut être une autre expérience. Sur ce, j'ai hâte. Bonne soirée à toutes et à tous. On se voit demain soir. Si possible, et... non, mais pour moi aussi, Riton Laveur. D'habitude, je me couche à 8h du mat. Mais là, je suis obligé de me coucher tôt. Et 8h du mat, c'est quand je vais me lever. Donc ça va être un peu décevant. Pour jouer les buissons, tout à fait. Non, en vrai, PNJ, ça reste intéressant. C'est comme si vous étiez un joueur, mais vous avez des objectifs que vous devez absolument faire à certains moments. Et vous savez une partie du scénario. Voilà. C'est tout. Mais c'est assez proche du joueur. Après, vous n'êtes pas un joueur à 100%. Vous n'allez pas tout découvrir. Vous n'allez pas faire vos choix à 100%. Voilà. Il y a toute une partie qui sera décidée à l'avance pour vous. Mais ça ne sera pas le truc du style « Hey, tu viens et tu restes là et tu bouges pas et puis tu fais le mort pendant les 24 heures. Merci, hein !» Ça ne sera pas ça. Ça sera seulement pour les 50 personnes, c'est pas possible de filmer ça. On mettra peut-être une ou deux caméras qui filmeront une partie de l'événement ou un truc comme ça, mais ça va être compliqué à mettre en place. Et puis si c'est le lieu que je pense, il y a tellement de recoins, etc. Et c'est assez grand quand même, donc ça sera assez compliqué de filmer ça en fait. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte. Bon, sur ce, bisous bisous, bisous partout, faites attention. Ajax Dragon, ça rime en plus. Et je vous laisse avec le générique de fin. Et à demain soir, je l'espère, vers 21h, peut-être. On verra. Ça charge ? Ça charge. Au pire, on se verra vendredi soir. Voilà. À plus. Que j'ai super hâte de reprendre Final Fantasy 9 et je pensais pas que je serais aussi hypé par le jeu. En ce moment, je fais aussi IS 8 sur PS Vita, IS 7 ou IS 8, je sais plus. Et il est vachement cool et c'est vraiment cool de jouer sur Vita parce que ça permet de bouger avec. Donc je comprends un petit peu l'intérêt de la suite là-dessus, hein. J'ai jamais dit le contraire. Et ouais, c'est toujours cool d'avoir un bon JRPG aussi complet sur console portable, c'est toujours cool. Bref, à demain.